faut quand même avoir en tête, dans la crypto en tout cas, c'est qu'on est dans un secteur qui est compliqué juridiquement, parce qu'il y a un environnement qui est quand même complexe et qui est très évolutif. On est sur des compétences qui sont rares, donc oui, c'est cher. Enfin, c'est plus cher que si tu veux lancer une boîte dans l'immobilier ou si tu veux lancer un restaurant, quoi. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti! William Rourke, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Entrepreneur. On a fait bien évidemment une vidéo sur Grand Angle Crypto, sur la partie crypto de ton activité en tant qu'avocat chez Orwell, le cabinet d'avocats en France de toutes les boîtes crypto qui connaissent. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi justement du parcours entrepreneurial parce que tu as quoi? Tu as 30 ans? 31 ans. Ouais. 31 ans et tu es déjà à la tête d'un cabinet qui carbure parce que vous avez fondé Orwell quasiment juste après la fin de tes études. On va détailler tout ça et raconter comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui veulent entreprendre dans la crypto sous Bien toutes sûr. ses formes. Donc du coup, voilà, on commence à multiplier les parcours de vie, les témoignages pour comprendre comment ça se passe. Alors déjà, tu viens d'où? Tu es né où? Tu es qui? Plutôt parent bourgeois, parent paysan? Alors, D'où vient William O'Rourke? d'où vient William Orc? D'Irlande? Alors oui, en partie. Non, je suis né à Paris, en Île-de-France. J'ai fait alors presque toute ma vie en Île-de-France jusqu'à aujourd'hui, notamment à Paris, même si j'ai des attaches assez fortes avec l'Auvergne, l'Allier notamment. C'est une région où je retourne d'ailleurs assez régulièrement, quasiment tous les mois depuis que je suis tout petit, Où ça, en Auvergne? près de Moulins-sur-Allier. D'accord, parce que ma femme est d'Issoire. Ah bah écoute, Ouais. on est entre nous, on est entre gentlemen. Ambiance. Ouais, non, bah voilà, bah moi c'est une région auquel je suis très attaché. Et en ce qui concerne mon origine sociale, non, elle est même supérieure. Enfin, c'est assez bourgeois. Et donc voilà, j'ai reçu une éducation tout à fait bourgeoise. Je sais pas si ça se voit quand tu me regardes comme ça, mais je pense que voilà, là-dessus Et c'est donc clair. ça donc si on file le stéréotype que ça me suppose, des bonnes notes à l'école, Pas du des tout. parents qui poussent et l'école de la Non, magistrature et yalla. non, non, pas du tout. Pas du tout. Non? Justement, un gros. Depuis que je suis tout petit, je suis un cancre et quelqu'un qui a énormément de problèmes avec l'autorité. J'ai jamais été délinquant. J'ai jamais franchi des lignes pénales, évidemment. Mais j'ai été renvoyé 8 fois dans ma vie de tous les collèges, lycées où j'ai été. J'ai été en pension. J'étais renvoyé de pension. Et Et en tu fait, faisais quoi, tu... En fait, je m'en foutais complètement, quoi. Genre, et le problème, c'est quand tu montres à un professeur que tu t'en fous de son cours, il le voit et ça lui plaît pas, ce que je peux comprendre, parce que maintenant, je suis. Enfin, J'en je suis. donne? Ouais, oui, j'en donne d'ailleurs à la fac et je vois bien que c'est pas. Mais bon, c'est pas pareil, c'est à la fac, c'est des adultes. Mais non, mais j'ai eu un. Vraiment, moi c'est simple, jusqu'à la fin de mes études, jusqu'au lycée, j'étais un cancre, conseil de discipline, etc. J'ai eu mon bac quand même. Mais j'étais le seul élève de l'établissement à avoir un avis défavorable du proviseur, quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai eu, je crois que j'avais une de mes profs qui a limite pleuré en disant « on ne pensait pas que tu l'aurais ». Et après, j'étais à la fac, j'étais au rattrapage jusqu'au Master 2. Je suis rentré en Master 2 en faisant le tapin, tu vois, genre devant un professeur le 4 septembre. Je revenais des vendanges, je revenais de mon job étudiant et j'ai tapé à la porte et il a cru que j'étais inscrit, il m'a inscrit dans son Master. Donc j'ai un parcours vraiment. Jusqu'à mon Master 2, je partais perdant dans la vie, dans la belle voie bien tracée qui m'était T'avais des promise. frères et sœurs? Ouais, j'ai une sœur. Donc t'étais le dernier de la bande dans la fratrie, c'est Ouais, le ça? cadet. On n'est que deux. Hein. D'accord. Voilà, donc c'était perdant, perdant pour perdant. Et en fait, je me suis intéressé à la crypto. Enfin, je m'intéressais à pas mal de choses, hein, évidemment, mais dont la crypto. Et ça a été. Enfin, voilà. Après, j'ai toujours su que je m'en sortirais, c'est parce que je suis quelqu'un de curieux, j'avais des qualités quand même, mais j'ai pas du tout un parcours scolaire et universitaire qui de gagnant, quoi. Et comment tu te dis, alors déjà je te rassure, je ne sais pas si, enfin il faudra que je fasse des stats un jour, mais peut-être 90% des gens qui s'assoient en face de moi sur Grand Angle Entrepreneur, ils me disent, ah l'autorité c'est compliqué, il y a un truc, vraiment il y a un truc.
Les bons élèves, il y a peu de bons élèves sages qui faisaient ce qu'on leur dit dans les Je entrepreneurs. pense qu'il n'y a aucun rapport en fait. Après, c'est pas non plus un bon élève n'est pas condamné. On va pas non plus renverser les valeurs. Non, je parle du rapport à l'autorité. Mais je pense que ouais, le rapport à l'autorité et le rapport au système scolaire, en fait, c'est juste décorrélé de ton succès ou de ton manque de succès ou de ce que tu vas faire dans le monde professionnel. On ne demande pas les mêmes choses en fait. Et donc après, voilà. Après, moi, je suis pas non plus, je veux pas non plus faire l'éloge des gens qui ont des mauvaises notes, mais je pense que ouais. Enfin, moi, en tout cas, je suis très heureux en tant que professionnel. Et j'ai l'impression de bien faire mon boulot, alors que jusqu'au Master 2, c'était une catastrophe, quoi. Ouais, et comment tu t'es dit l'école compliquée, j'aime pas trop ça du coup? En même temps, je me voyais pas faire. Enfin, tu vois, j'étais près du radiateur, je lisais des bouquins. Enfin, tu sais, j'étais pas malheureux non plus, mais j'étais là sans être là, quoi. Parce que le droit, c'est quand même exigeant en termes d'efforts. En tout cas, c'est ce qui se dit. Oui, mais je suis pas un scientifique. Enfin, j'ai jamais eu de. Bon, comment t'as choisi droit, quoi? Voilà, par hasard, bien sûr. T'as vu de la lumière? Ah oui, non, clairement. J'avais des amis qui en ont fait. C'était un truc qui était plutôt littéraire. Enfin, tu vois, c'était pas des maths. Moi, c'est pas mon truc, les maths, tiens. Les maths, etc. En fait, j'hésitais entre éco ou droit. J'ai pris droit, y a pas de. Totalement par hasard. Parce qu'à l'époque, tu avais le choix entre littérature, éco ou science, quoi. Enfin, tu avais bac S, ouais, après, bac littérature, bac éco, moi, c'est un plaisir, quoi. Mais c'est pas un truc dans lequel j'ai envie de travailler, quoi. Ouais. Donc, toi, tu te dis. Ouais, le droit, je me disais pourquoi pas, on verra. Puis c'est un truc, tu sais, ça a la réputation et qui n'est pas volé d'ailleurs. Tu peux sortir du droit très facilement. Si tu es un, je sais pas, si tu es avocat ou si tu es juriste, tu peux basculer dans autre chose assez facilement. Voilà, mais j'aurais très bien pu faire de l'éco ou. Ou je sais pas, ou de la géographie, quoi. Et tu sors avocat, comment ça se passe les études d'avocat? Tu es en Master 2, après tu as l'école de la magistrature, c'est ça, non? Ou une... L'école d'avocat, c'est-à-dire que tu passes un concours, moi je l'ai passé en Master 1. En fait, moi j'ai passé le concours, et après j'ai quitté la France pendant un an, je suis allé vivre en Russie. En fait, j'ai eu le concours, ce qui m'a demandé de rentrer, alors que j'aurais pas eu avocat, je pense que je me serais installé en Russie. J'aurais tenté un truc en Russie, la fleur au fusil, hein, mais c'était un pays qui m'attirait bien, j'avais commencé à apprendre le russe, etc. Et en fait, après, tu rentres en école d'avocat et tu as un an et demi de formation avec un stage hors du monde des avocats, un stage dans un cabinet d'avocats et 6 mois de cours. Et là, pareil, 6 mois de cours à l'école, donc j'étais le deuxième pire élève de l'école d'avocats. C'est-à-dire qu'il y a juste une personne que j'ai eu la chance de rencontrer qui avait plus d'absence que moi, quoi. Genre, je lui ai dit, franchement, j'aurais su, j'aurais insisté, mais là, tu m'as battu, quoi. Mais bon, j'ai de très bons rapports avec mon école d'avocats, qui était une très bonne école d'avocats sympa qui est à Versailles. Le problème, c'était pas l'école. Ah non, mais c'est moi, j'ai jamais blâmé l'école, hein. C'est mon problème. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est juste que j'avais un peu mon mode de vie, quoi, mes centres d'intérêt qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui étaient en course, tout. Ouais, donc tu vivais beaucoup à côté des études. Ah oui, non, par contre, moi j'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours été curieux et passionné par des trucs. Donc en fait, j'ai toujours eu j'ai jamais été inactif, tu vois. J'étais pas un élève qui venait pas en cours pour rester chez lui dans Netflix, quoi. Enfin, je sais pas s'il y en a qui font ça, mais bref, tu vois. Donc Du coup, j'imagine. tu faisais quoi à côté de l'école de plus intéressant? Bah, je lisais beaucoup, je me cultivais, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours. Bah, voilà, j'ai une vie. Enfin, j'ai pas une vie culturelle intéressante en soi, mais si tu veux, je suis quelqu'un qui va, je sais pas, se passionner par exemple pour Napoléon et qui va lire des bouquins sur Napoléon, regarder toutes les vidéos YouTube sur Napoléon et à la fin, tu vois, qui va genre aller voir un truc sur Napoléon, c'est au Puy-en-Velay, tu vois, genre en train pour vérifier qu'il y a bien la statue qu'on lui a dit, c'est tout. Le genre de choses, quoi. Oui, donc c'était général, tu t'intéressais à tout, à rien, tu faisais. Ouais, c'est ça. Dont la crypto, tu vois. Et oui, parce que tes études, c'était en quelle année quand tu étais en licence master, tout ça, quand tu es rentré à la fac? J'ai eu le bac en 2009 et je suis sorti de la fac parce que j'ai redoublé. Donc j'ai sorti de la fac, je suis sorti de la fac en 2016, je pense. Donc j'ai dû avoir le barreau en 2016 ou 2017. Après, je sais plus trop parce que ça se chevauche en fait. Tu peux Ouais. commencer l'école d'avocat en même temps que tu fais la fac. En gros, la période de la fac, c'est la naissance de Bitcoin, quoi. C'est. Bah moi, c'est simple. Je suis rentré en master 2 en 2014 et le prof, je lui ai dit, je veux faire mon mémoire sur Bitcoin. De fin d'études. Et à l'époque, j'étais. Donc, pour faire le meilleur sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais déjà totalement matrixé, quoi. C'est-à-dire que. À l'époque, faut savoir que.
Enfin, pour ceux qui nous regardent, qui ont rejoint l'aventure à l'époque, tu disais je veux travailler sur Bitcoin, les gens étaient là genre à tes souhaits. Enfin, tu sais, genre qu'est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire que le prof il m'a dit genre qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, c'est quoi, c'est une marque de bagnole autonome, enfin tu vois genre. Et c'est des fusées, ça se mange. Ouais c'est ça, et donc tu vois, et je me souviens j'ai des commentaires sur Blablacar, où j'ai même des mails, tu vois, bah, notamment avec mon associé, par exemple Romain, aujourd'hui, qui était à la fac avec moi. Vraiment, 2013, 2014, on s'envoyait des mails où j'étais là, ouais, il y a un truc qui s'appelle Bitcoin, ça a l'air énorme et tout, c'est japonais, ben, tu vois, genre... C'est Snowden au Japon qui fait un truc, je sais pas trop, faut creuser, quoi. Avec la drogue et l'argent, ouais. Je sais pas. Et du coup, tu l'as fait en mémoire Bitcoin sur un master? Ouais. Sur la blockchain et Bitcoin. Ouais. Et alors, ça donnait quoi? Parce que non, là, ça t'a passionné, tu y as passé des heures. Non, c'est un torchon. Enfin, c'est un torchon, c'est un truc qui est immontrable. Quoi. Je l'ai relu d'ailleurs, je l'ai relu pas longtemps après, parce qu'en fait, j'ai fait mon master. Après, je suis rentré en école d'avocat et j'étais dans un cabinet où on m'a proposé de faire une thèse. Et moi, je voulais faire une thèse sur Bitcoin, justement, pour poursuivre, tu vois. En fait, parce que j'étais un peu bloqué, je devenais avocat et je pouvais pas travailler en Bitcoin parce qu'il n'y avait pas de marché économique à l'époque. Donc je me suis dit, soit je fais une thèse, etc. Bon, finalement, j'ai trouvé une issue de secours qui m'a... Enfin, j'ai fait une autre une issue de secours, lapsus. Ça aurait été bien, cette thèse, mais j'ai fait autre chose. Et donc, au moment de la thèse, je devais montrer mon mémoire et je l'ai relu. Et je crois qu'à l'époque, je l'ai réécrit, quoi, tellement il était... Parce que tu vois, c'était une époque où il y avait... Moi, j'étais pas du tout mûr. Intellectuellement sur le sujet, mais pas du tout, c'est-à-dire que j'étais très bullshit, quoi. Et en plus, t'avais pas de source d'info, donc c'était 80 pages de délire de William sur ce que c'est que Bitcoin, avec un peu de juridique, quoi. Le monde de William. Ouais, c'est ça, non, c'était nul. Et du coup, tu passes ton Master 2, donc en même temps, t'as fait l'école d'avocat, c'est ça? Mm-hmm. Donc en gros, tu finis en 2016, tu sors... 2017, je crois. 2016, ouais, ça. Et en fait, à l'époque, donc je devais... commencer cette thèse sur Bitcoin. Et en fait, à l'été, donc je devais commencer en septembre, et je crois le 15 août, par l'intermédiaire de Simon, je sais pas si vous voyez qui c'est, Simon Polro, oui. J'apprends que Blockchain Partner cherche quelqu'un pour créer leur pôle compliant, quoi. Et donc, moi, évidemment, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de postuler. Bon, il se trouve que je crois que j'étais le seul candidat, mais ils m'ont dit à la fin de l'entretien. Enfin, tiens, à l'époque, il faut savoir que moi, j'étais genre très jeune avocat frais et moulu. Tu ne pouvais pas faire du droit des cryptos, ça n'existait pas. J'ai été voir des avocats. Du droit de des cryptos. Enfin, ah oui, des cryptos, oui. Ça, le terme à l'époque était absurde, mais bosser dans un cabinet qui bossait avec la crypto, ça n'existait pas. J'étais voir des cabinets et les gars étaient « ouais ». Alors, soit ils disaient « je sais pas de quoi tu parles et va-t'en, on va appeler la sécurité », soit ils disaient genre, en fait ils disaient « oui, intéressant », parce que t'en as quand même des avocats qui à l'époque commençaient à, tu vois, à dire, t'as des avocats plus ou moins curieux. C'est un marché. Oui, c'est un secteur qui a quand même comme grosse qualité que c'est très ouvert, il y a plein de types d'avocats et d'avocats différents, quoi. Mais bon, ils me disaient clairement genre « tu viens ». Promis, s'il y a un dossier Bitcoin, tu le traiteras, mais par contre, le reste du temps, tu vas faire du droit, tu vas bosser dans la pratique du cabinet. Et moi, j'avais pas envie de d'être en attente dans un cabinet à bosser comme un malade en disant un jour, j'espère, il y aura un truc Bitcoin. Tu vois. Parce que le droit, ça te passionnait pas des masses à l'école, si j'ai bien compris, donc tu voulais surtout faire des trucs sympas appliqués au droit, quoi. Bah, ça m'intéressait, c'est comme tous les juristes, c'est-à-dire que tu as la pratique quotidienne qui peut être passionnante ou pas, hein, ça dépend de ce que tu veux en faire, etc. Après, le droit, ça draine quand même des sujets politiques et des sujets intellectuels qui sont passionnants. C'est comme la philosophie, quoi. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. Après, non, moi, j'étais pas passionné de droit, mais par contre, j'étais quelqu'un, je pense que j'étais un très jeune professionnel qui faisait son boulot sérieusement. Quand j'étais dans un cadre un peu sympa et que j'étais avec des gens avec qui j'aimais bien travailler, je faisais mon boulot correctement, hein, bien sûr. D'ailleurs, le cabinet où j'étais, ils voulaient me garder. Enfin, tu vois, c'était pas, il y avait pas de problème. Donc, du coup, où est-ce que tu trouves du boulot, le premier boulot, quoi, en sortant du diplôme d'avocat? Bah, Blockchain Partner. Ouais. Et ça, comment? Donc, avec Claire, avec Alexandre, donc Claire Balva, Alexandre Sachenko. Exactement. Et leurs autres associés, Clément, Antoine, Émilien et Adrien. Et là, bah, je rejoins donc une société de conseil. Bon, ça, à la limite, c'est... Ils n'étaient pas encore intégrés KPMG, c'était Blockchain Partner. Non, c'était vraiment une petite boîte de conseil
mono sujet, enfin mono secteur quoi. Mais d'ailleurs c'est toujours une très belle boîte, mais à l'époque c'était vraiment, non seulement c'était sympa, en fait les gens étaient tous intelligents et curieux. Et en plus on était tous là pour le même sujet, c'est-à-dire la blockchain et les cryptos. Et moi c'était un rêve parce qu'en fait, tu vois, je quittais un monde où tout le monde s'en foutait et je passais pour un zozo, tu sais. Un bureau où en fait t'arrivais le matin, tu disais vous avez vu ce qui s'est passé là, il y a eu un fork de Bitcoin, Bitcoin Cash et tout, et les gens étaient là, non mais ton interprétation est erronée pour trois raisons que je vais t'expliquer, enfin c'était génial, tu vois. Et donc j'ai passé un an avec eux, et en fait c'est l'époque où le marché décolle, et moi donc j'étais chez eux, j'étais en pôle compliance, et donc évidemment, 2017, quoi. ouais c'est ça, c'était le bull run, époque ICO quoi. Et en fait ce qui se passe c'est que en fait, donc moi j'étais Blockchain Partner, c'est une boîte qui a une image quand même assez forte, encore, enfin c'est toujours le cas aujourd'hui, et à l'époque c'était assez frappant, ils recevaient plein d'appels, ils voyaient un peu tout passer dans leur bureau, tu vois, et dont des gens qui disaient voilà, moi j'ai des problèmes fiscaux, tu vois, j'arrive pas à déclarer mes gains sur le Bitcoin, les ICO, etc., tu vois, ou d'autres qui voulaient avoir de l'accompagnement sur leur projet, quoi. Et donc moi, en tant que juriste dans une société, t'as pas le droit de conseiller les tiers. Parce que c'est un monopole de la profession d'avocat. C'est-à-dire que, Bah, refais-le là. alors, Explique. quand tu es en fait le conseil juridique, Ouais. c'est-à-dire toi tu as un problème juridique, tu veux de l'aide et une personne te donne des conseils, c'est un monopole qui est réservé aux avocats. Un juriste, c'est-à-dire que moi en soi je suis un juriste, en tant qu'avocat j'ai le droit de donner des conseils à toi et j'ai le droit de donner des conseils à d'autres personnes parce que je respecte des règles déontologiques assez strictes qui me permettent de le faire. Si demain tu vas voir un juriste chez Renault et tu lui dis écoute, tu es compétent dans mon domaine, mais j'aimerais que tu me fasses une note où tu me dises ce que je dois faire juridiquement, il n'a pas le droit de le faire. Il a pas, pour des raisons déontologiques, parce qu'il n'est pas indépendant, il est salarié de Renault, etc. Tu vois. Ah, donc quand tu es salarié, ton statut d'avocat est suspendu, entre Ou guillemets, même quoi. auto-entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que quand tu n'es pas Ouais. avocat, Ouais. quand tu n'es pas dans l'ordre des avocats, en fait, et que tu n'es Tu pas peux pas soumis donner à de la déontologie conseils d'avocat, juridiques à des tu tiers. peux pas donner de conseil juridique à des tiers. D'accord, ok. Ce qui évidemment est un problème, a été un problème pour moi, enfin un problème, ça peut être un problème. Au début, moi, je ne voulais pas être avocat, c'est-à-dire que j'avais eu le barreau, j'avais vu ce que c'était que le métier, très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de bosser dans la crypto. Donc j'étais dans la crypto, j'étais Heureux. salarié, j'étais bien. Tu vois. Sauf que les gens venaient me voir et tout, et me disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je leur disais, moi, je ne peux pas te répondre, parce que je n'ai pas le droit d'engager ma responsabilité sur la réponse. On va aller voir d'autres cabinets. Donc on allait voir des cabinets, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai vu dans les yeux du client, le manque, quoi. C'est-à-dire le besoin qui était que, en fait, il y avait beaucoup de cabinets qui ne comprenaient pas techniquement la technologie. Et c'est évident que quand tu ne comprends pas techniquement comment ça fonctionne, quand tu ne comprends pas les enjeux, parce que ce n'est pas ta matière, et si tu veux, en fait, ça fait de toi quelqu'un de normal et de respectable, hein. Mais tes conseils juridiques sont forcément de moins bonne qualité, voire complètement à côté de la Voire plaque. moisi, ouais, c'est Et ça. donc ça, je l'ai vu et je me suis dit, en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que là, il y a quand même. À l'époque, c'était beaucoup plus petit marché qu'aujourd'hui. Mais c'était quand même un marché qui. Tu vois, comment, il y avait des gens qui créaient des Ça boîtes. faisait ses 200-300 milliards, quoi. Voilà, Oui, si tu prends le market cap, mais si tu vois, tu prends à Paris, à l'époque, tu commençais je sais pas, à l'époque, tu as 50 boîtes qui sont lancées, tu vois. Bon, c'est peu pour un cabinet d'avocats. Enfin, le marché, dans les yeux d'avocats, c'est peu, mais c'est quand même 50 boîtes qui avaient besoin d'avocats. Et il y avait un manque. Je ne dis pas qu'il y avait zéro offre sur le marché, hein, mais il y avait clairement. Et donc, à un moment, j'ai dit à Blockchain Partner, écoutez, je vais sortir de Blockchain Partner, créer mon cabinet, je continuerai à travailler avec vous, hein, parce que c'est pas incompatible. Mais par contre, il faut que je crée mon cabinet de manière indépendante. Et là, c'est assez critique parce que un cabinet d'avocats, tu vas me corriger si je me trompe, mais dans mon esprit, tu montes ça quand tu as 50 piges, un réseau de malades et que tu es bien installé et que tu as 6 costumes, 3 pièces dans la penderie, quoi. J'ai un costume trois pièces. Là, tu vois, tu sais pas en sortant de l'école que tu dis je vais Non. monter un cabinet d'avocats parce que les mecs, Mais j'ai une moi. anecdote là-dessus assez marrante. C'est que, ouais, donc on crée le cabinet avec Alexandre. Donc Alexandre, c'était une connaissance, enfin un camarade, quoi, quelqu'un que j'aimais bien, mais qui était à l'école d'avocats avec moi. Et notamment, à l'école d'avocats, ils bloquent les VPN, et nous, on avait trouvé un moyen pour péter le VPN, donc on jouait à Age of Empires pendant les cours, quoi. Tu vois, des liens forts, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est fiscaliste, donc dans la crypto, c'est parfait, parce que les besoins, et j'en suis encore aujourd'hui convaincu, les deux principaux besoins en crypto, c'est la régulation et le fiscal, c'est là où il y a des risques, en fait. Tu vois, le corporate, Bye. que ce soit dans la crypto, pas crypto, ça reste des levées de fonds, tu vois.
Tu prends les marques, une marque, que tu sois Ledger, Paymium ou que tu sois, je sais pas, un pizzaiolo dans le sud de la France, tu veux, ces trois marques, tu les déposes, ça peut être fait par des avocats qui ne sont pas spécialisés en crypto. Par contre, sur ces sujets-là, il faut vraiment être spécialisé en crypto et il faut prendre son risque. Tu vois. Et donc, je l'appelle et tout, et je dis, écoute, voilà, est-ce que tu pourrais genre me donner ton avis sur 2-3 cas, etc. Et il se trouve que les réponses qu'il m'avait données à l'époque, enfin, les échanges qu'on avait eus, moi, j'avais senti que c'était de très bonne qualité, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, moi, je lance mon cab. Est-ce que ça te dit de me rejoindre, etc. Alors, évidemment, tête brûlée. Enfin, c'est absurde. Mec, tu sais qu'on a 26 ans. Dude. On va le faire. T'as 500 balles sur ton compte courant. On les cramera jusqu'au dernier, mais on va y aller. Et là, on monte le cab. On monte le cab. Et là, c'était la belle époque. Quoi, parce qu'en fait, tu vois, on monte le cab. On avait quand même zéro expérience en droit. On s'inscrit au barreau, parce qu'en fait, on n'était même pas. On devait s'inscrire au barreau, etc. Attends, je cherche l'adresse sur le bottin. Ça, on débarquait total, tu vois. Et on monte. On avait zéro euro sur notre compte en banque. On n'avait pas de locaux. On n'avait pas de costume. Enfin, tu vois, genre, on était vraiment. Et là, bah, on lance le cabinet qui, à l'époque, s'appelait Blockchain Legal. Et on lance Blockchain Legal. Et en fait, c'était vraiment un site web. Et genre, moi, j'étais en ma chambre de bonne, tu vois, genre à Clichy. Genre, tu sais, je me levais le matin, je mettais un costume. Et derrière, c'était Bagdad. Et genre, on était là. Et c'était marrant, tu vois. Je me souviens, je devais louer des salles de réunion à l'heure. Ce qui est un système hyper foireux, en fait. Donc, à la fin, je donnais rendez-vous. Parce que pendant 8 mois, on n'a pas eu de quoi. Donc, on donnait rendez-vous. Ce qui, pour un avocat, est quand même un truc. Ça, genre, c'est il y a 4 ans. Hein. C'était il y a 4 ans. C'est pour un avocat quand même super technique parce que, genre, t'es quand même dans une profession où, tu sais, les gens s'attendent à ce que t'es un 200 mètres carrés ou le Rossmann, tu vois. Et moi, je donnais rendez-vous à chaque fois, je disais au client, ouais, ouais, non, mais en fait, le cabinet est à l'autre bout de Paris, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Georges V. Et tu sais, il y avait des clients qui me disaient, c'est marrant parce que tu m'as, tu sais, ça fait 2 fois qu'on se voit et la dernière fois, tu m'as dit que le cabinet était à Nation et là, tu me dis qu'il est à. Porte-maillot. Ah, ouais, on bouge. Sky's the limit. Ah, parce qu'on a acheté des locaux. Là. Ah, donc on a commencé le cabinet comme ça. On avait une domiciliation, évidemment, parce que tu es obligé d'être quelque part juridiquement. On s'est fait domicilier d'ailleurs auprès de l'ordre. Enfin, l'ordre des avocats propose un service de domiciliation, donc on était là-bas. Et donc on commence et voilà. Nos premiers clients, c'était des ICO, ils nous payaient en Ether. On avait à peine un compte en banque. Enfin, tu vois, le banquier qui était là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu sais, genre, vous venez de cash out 20 000 balles de Kraken. Qui est Kraken? C'est votre client. Tu sais, au début, on recevait des demandes de la banque en mode, pourquoi vous avez qu'un seul client qui s'appelle Kraken? Excellent. J'étais là, non, mais c'est une plateforme d'échange crypto, tu vois. Ouais, et là, genre, silence de mort. Ouais. Et bref, et donc après, voilà, on lance ce cabinet. Et en fait, ça marche bien, on se structure. Et voilà, on crée petit à petit ce qui est aujourd'hui Orwell, quoi. C'est-à-dire, et après on a été, donc ça a été les 2 premières années. Ensuite, il y a Romain qui nous a rejoint pour faire la partie contentieuse. Donc Romain, c'est le 3e associé. Et maintenant, on est plus d'une dizaine. Et voilà, et c'est un cabinet. Et pourquoi ça s'appelle Orwell et pas O'Rourke? C'est marrant parce que tout le monde me fait la remarque, et alors que c'est pas du tout volontaire. Et je pense que ça énerve beaucoup mes associés. En fait, Orwell, c'est très simple, c'est qu'au début, on s'appelait Blockchain Legal parce qu'on était un cabinet. Enfin, tu vois, il y avait un côté, il fallait que le nom soit transparent pour les clients. Mmh. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ça correspondait pas à ce qu'on était parce que on n'est pas qu'un cabinet crypto. En tout cas, aujourd'hui, on l'est beaucoup parce qu'il y a eu une explosion du marché, mais on n'a pas vocation à être 100% crypto. Et en plus, on voulait une marque qui soit justement plus une marque, un nom de cabinet qui soit plus conforme à nos valeurs. Et en fait, nous, on est un cabinet où on s'appelle Orwell, en référence évidemment à 1984, parce que je le dis souvent, on est la génération Snowden, on a une image de la technologie qui est beaucoup plus politique et à double usage. Et en fait, on n'est pas du tout un cabinet. En fait, c'est pour se distinguer aussi de nos aînés, qui étaient donc les premiers cabinets tech en France, tu vois, genre ceux qui ont été créés en 2000, etc. Ils avaient une vision, je pense, beaucoup plus optimiste de la tech. C'était l'époque, tu sais, genre, make a better world, tu vois. Bon, aujourd'hui, ça te fait marrer quand je dis ça, tu vois. Genre, c'est un peu pour se distinguer aussi de cette vision-là du droit des nouvelles technologies, tu vois. D'accord. Mais donc, tu confirmes, personne ne s'appelle Orwell chez vous. Ah non, au début, on voulait même s'appeler Orwell du nom de l'auteur, mais c'est interdit. On ne peut pas utiliser son nom. Ah, c'est pour ça que ça fait un mix. Donc, on a enlevé un E, on a enlevé un L, et en fait, mais c'est une référence transport. Tu vas sur notre site, la première citation, c'est une citation d'Orwell. Et c'est, voilà, c'est cette vision-là, tu vois, genre, qui d'ailleurs colle bien avec la crypto, mais pas que, c'est aussi sur des sujets de privacy.
tu vois, sur, genre, enfin, sur des sujets voilà, d'utilisation des nouvelles technologies qui peuvent être extrêmement dommageables également, quoi. Donc là, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as pu démarrer en fait en tant que jeune avocat sans réseau. Tu n'avais pas le réseau de Blockchain papa-maman, tu n'avais partner. pas. Ouais, il y avait. Oui, mais ça tu as démarré avec les copains, quoi. Je veux dire, c'est. Parce que Blockchain Partner, c'est pareil, j'ai eu Claire et Alexandre. Je leur dis, mais les gars, vous avez monté un cabinet de consulting il y a 25 ans. Ah, mais eux, ouais, eux, ils Ça sont. n'existe pas, ça. Eux. C'est Non, une mais. singularité dans l'espace-temps, ça. En étant master 2, tu sais. Et c'est ça qui est génial dans cet écosystème, c'est que. Putain, on parle de cabinet d'avocats, de cabinet de consulting qui sont vraiment des trucs de daron. Il y a 4 ans, donc c'est pas vieux, et bah, bientôt 5, et pour des jeunes de 25 ans, et ça marche. Je veux dire, c'est sérieux, c'est crédible, et ça marche. Bien sûr. C'est pas de la blague. Et moi, j'adore ça parce que c'est un peu le désaveu de la gérontocratie. Tu vois, quand tu dis, ouais, mais pour faire ça, il faut avoir de la bouteille, il faut être posé, vieux sage sur la montagne et tout. Et en fait, tu dis, ou peut-être que les mecs, en fait, leur principale caractéristique, c'est de la rétention du pouvoir, quoi, avant la retraite. Je serais pas aussi. Je pense que c'est pas conscient déjà, et surtout c'est une question pour moi de milieu et de filière, tu vois. C'est-à-dire que la crypto, c'est une filière qui n'existait pas. Où personne n'avait des risques, enfin personne n'avait intérêt à prendre un risque. Prendre un risque, ça veut dire que je dis pas que nous on n'a pas pris de risque, on a pris un risque important, tu vois. Mais moi j'avais rien à perdre. Enfin, tu vois, j'étais en ma chambre de bonne, j'avais 850 euros sur mon compte courant. Au pire, je me plantais. Bon bah voilà, tu sais, genre on plie boutique, on part dans le sud et yolo, tu sais. Alors que aujourd'hui, t'es un cabinet d'avocat. Enfin, tu vois, t'es un cabinet d'avocat, t'as 15 salariés ou t'as, enfin 15 collaborateurs, etc. Je veux dire te dire que tu vas prendre je sais pas, genre 40% de tes bénéfs pour les réallouer vers un secteur comme la crypto où tu comprends rien et où ça va peut-être pas marcher, c'est un truc que ne faisaient pas les vieux, entre guillemets. Donc c'est pour Mais moi, j'aurais c'est. très bien pu t'embaucher toi en disant va, fais. Oui, mais tu vois, Mais. a posteriori, c'est facile, mais moi, à leur place, en vrai, je pense qu'on finira comme eux. Hein, tu vois, genre, quand tu auras le futur truc, tous les gens de la crypto qui seront à la tête de boîte avec 300 personnes, ils diront non, mais on pivote pas, c'est trop compliqué, et ils laisseront passer le futur train, et c'est bien, tu sais, la retourne, tu vois. Mais oui, c'est sûr que, enfin, c'est sûr que les cabinets d'avocats à l'époque pouvaient. Je pense que c'est pas qu'ils voulaient pas être ça, c'est qu'ils se rendaient pas compte et ils pouvaient pas prendre le risque. Mais Ce qui nous a surtout, permis de prendre le risque et de prendre la l'autre place. message, c'est que quand vous êtes jeune et réputé incompétent par la jeunesse, c'est-à-dire sans expérience, mais il y a moyen quand même. Je veux dire, Bien en tant sûr. que jeune, vous avez fait des trucs de fou. Ouais. Et je veux dire, la compétence n'a pas posé problème. On compensait l'incompétence juridique par du travail et on avait la compétence technologique et la vision. Donc, et quand tu as la vision, si tu veux, ça ne te dérange pas de bosser jusqu'à 22h tous les soirs. Parce qu'en fait, moi j'ai bossé le week-end et tous les soirs, ça fait 4 ans que je bosse 70 heures par semaine. Alors que j'étais un type qui était un des plus gros, qui développait l'absentéisme au radar, tu vois. Mais tu vois, c'est juste que c'est. Parce que quand tu sais où tu vas, quand tu y crois et quand ça marche, bah ouais, tu compenses. Et c'est normal, et tu peux le faire à 27 ans, tu le fais pas à 45 ans, ça, ou à 50 ans. Comment tu trouves tes premiers clients quand tu lèves ton cabinet, quand tu crées le cabinet? Bah en fait, moi, j'allais depuis, tu vois, 2013-2014 à tous les événements crypto. Donc la clientèle, elle s'est faite là, elle s'est faite genre au fil de rencontres, qui évidemment au début était totalement gratuite. Alors c'était quoi Bah, comme événement à soft l'époque? bar, événements sur le Bitcoin. Et t'y allais en costume trois pièces en disant bonjour, je me fais le William, je suis avocat? Bah non, à l'époque, j'étais pas avocat. Non mais, J'étais ah oui, étudiant, tu ouais. vois. J'y allais en mode bonjour, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous faites? Ah, de la crypto, et voilà. Enfin, en fait, j'y allais dans le public, quoi. Bon, les mecs, ils te voient une fois, deux fois, 10 fois. À un moment, tu leur dis, je monte un cabinet avocat, ils ont besoin d'un avocat, tu vois. Moi, mon ancien boss, il disait, faut que quelqu'un te serre la main 7 fois pour qu'il t'oublie jamais, tu vois. Bah, c'est ça, en fait, c'est que les gens, ils t'ont vu, et puis ils t'ont vu à une époque où t'étais pas là pour le pognon. Donc, c'est quand même, je pense, assez rassurant, ça crée un cadre de confiance, tu vois. Et donc tu les as rappelés, comment t'as fait techniquement? Tu montes ton cabinet d'avocat, t'es dans ta chambre de bonne et tu te dis bon, faut des clients maintenant. On n'a jamais fait de commercial, Charles. On n'a jamais appelé quelqu'un pour bosser avec lui. Enfin, jamais, genre, je ne veux jamais dire jamais, mais à l'époque, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'il y avait des besoins. On a créé le cabinet, on a été très vite identifié comme un des seuls cabinets en fait, à avoir une expertise crypto. Et en fait, après, c'est beaucoup de bouche à oreille, et on publie beaucoup, par contre. On communique beaucoup, et on fait une communication qui est basée sur le contenu. Alors, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que vous allez sur notre blog, il y a 150 articles. Dans les articles de blog sur Orwell, on essaye de donner du contenu.
C'est pas de la com en mode voilà, il y a eu un texte de loi, on fait une reformulation des trois articles et à la fin, démerdez-vous. C'est on essaie de montrer qu'on a une analyse et on essaie même de donner les premières réponses aux clients, tu vois. Enfin, en gros, de faire un bon article et la personne, moi j'ai envie qu'elle se dise bah, Orwell, ils sont bons. Ils gèrent. Et en fait, il y en a peut-être qui ont la réponse et qui viennent jamais nous voir, mais en fait, en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu es dans du conseil, les gens ils viennent pas te voir. Enfin, plus t'es bon, plus ils viennent te voir, quoi. Oui, parce que tu as la problématique du sur-mesure, la réponse qui te concerne avec le cas parce que tu es marié mais tu es divorcé de l'avant et machin, donc du coup, enfin, c'est… Bah nous, et je pense qu'en fait, au-delà de ça, je pense que beaucoup de gens viennent même pas pour du droit. Enfin, c'est-à-dire qu'ils viennent pas pour une réponse juridique, tu vois. Ils viennent pour être dans un cabinet sectoriel, on est à la croisée de tous les projets, on sait ce qui se passe et en fait, on est une forme de mutualisation des problématiques juridiques entre nos clients. C'est comme quand tu vas voir le mec qui est dans l'industrie automobile. Tu vas pas le voir parce que le mec, il a la réponse à ton problème de logistique quand t'es Renault. Tu y vas parce qu'il bosse avec Citroën, il bosse avec Fiat et qu'il sait ce qu'il… évidemment, on ne divulgue rien. On est soumis à un secret professionnel extrêmement strict. Mais on a une expérience sur 12 projets qui fait que le 13e, il va partir avec l'expérience acquise sur les 12 premiers projets. Ouais, en gros, tu dirais « Oh, moi, si j'étais vous, je ferais plutôt ça. » Ouais, vous avez pensé à ça. Enfin, tu vois, non, mais c'est un truc que font tous les conseils. Hein. C'est-à-dire que tu vas voir un architecte. Tu vas le voir parce qu'il a fait 200 maisons qui vont ressembler à la tienne. Je le sens bien. Ouais, par là. Sinon, je le sens bien. Non, mais tu vois, tu fais partager ça et tu mets les gens en relation. Et en fait, c'est ça qui, je pense, a de la valeur au-delà d'une compétence purement juridique qu'on a évidemment, mais c'est pas suffisant, quoi. Est-ce que tu as eu des moments difficiles où tu as vraiment galéré, où c'est allé tout droit parce que voilà, c'était du bol, de la chance? Non, c'est dur, évidemment. Mais ce qui est dur, bah, ce qui est dur, c'est au début quand t'as pas de locaux, que t'es personne, qu'on te pose des questions, t'as pas les réponses, que le client te dit non mais vous avez quel âge, 27 ans, mais jamais je bosserai avec un mec de 27 ans, au revoir, la réunion est terminée. Enfin, tu t'en prends plein la gueule, les autres avocats. Moi, les premières négociations que j'ai eues, les autres avocats, ils se foutaient de ma gueule. Enfin, ils étaient là, mais t'es qui, quoi? Tu vois, genre, t'as 27 ans, t'as monté ton cap, c'est un truc. Enfin, c'est parce que t'es au chômage, en fait. T'as des problèmes de thunes, tu vois, tu veux 500 balles, quoi. Bah, okay. Payer non, mais c'est normal, c'est normal, c'est méchant, mais c'est normal. Tu veux dire les premières négos sur des deals quand t'avais des clients, c'est ça? Ouais, j'étais à côté de mes clients et les mecs, ils me méprisaient devant mon client, tu vois. Ah ouais? Ouais. Donc voilà, après, bon, on te met une baffe, t'en remets une, et puis après, à la fin tu t'essayes de gagner, quoi. Et d'ailleurs, dans la crypto, c'était assez facile parce que quand t'as la maîtrise technique, en fait. T'as des armes que l'autre ne peut pas anticiper, quoi. Donc tu t'en sors plutôt bien. Mais voilà, non, c'est évidemment que c'est dur. Après, c'est dur quand c'est ta boîte et que t'es dans un secteur qui te plaît. C'est pas insoutenable, quoi. Tu vois, c'est dur, mais tu y arrives et t'as un projet et t'avances, quoi. Et oui, enfin, est-ce qu'il y a des moments où t'as douté? Parce que là, le product market fit, comme on dit, bon, c'était évident. Ou alors il y a des problématiques aux avocats, au business d'avocats dont on peut parler? Tu vois, souvent, un entrepreneur, quand il développe un produit, il se dit « bah, je vais vendre ça, et puis ça aura trois roues, un volant, et puis ça sera violet, et puis ça va être bien, et tout. » Puis personne n'en veut. Donc tu dis « ah, en fait, finalement, faut que je… » Le conseil, c'est plus facile, je pense, déjà, parce que tu es dans un truc de flux, tu vois, et tu n'as pas de coût fixe important. Enfin, au début, on avait… En fait, je pense qu'on margeait à partir de 15 euros, tu vois, en mode Deliveroo, quoi. Quand t'as pas de locaux et que tu te payes pas, si tu veux, genre, enfin, que tu te payes 800 euros par mois, si tu veux, genre, le client évite rentabilité. Mais non, après, des doutes, bien sûr qu'on en a eu. Les avocats à l'époque avec qui on discutait, ils nous disaient, vous allez vous faire bouffer. Un gros cap va s'y mettre et il va vous écraser, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça, quoi. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Parce qu'il y a un coût d'entrée dans la crypto qui est énorme. Et je le vois, moi, nous, on embauche des gens, on les forme, et on voit bien que c'est pas comme tu vois, t'es avocat dans la tech aujourd'hui, tu veux devenir l'avocat spécialiste d'Airbnb ou des chatbots, tu te formes un été un peu sérieusement, et en septembre, tu lances ton offre. Dans la crypto, c'est un secteur où il y a un coût d'entrée culturel et une terminologie qui est monstrueuse, et en plus, t'as des risques énormes. Des risques énormes. Bah, juridiques, c'est-à-dire que nous, en tant qu'avocat, on engage notre responsabilité. Ah, donc, explique ça. Alors, pourquoi il faut aller voir un avocat? Enfin, une des raisons d'aller voir un avocat, c'est que l'avocat, il engage sa responsabilité sur ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il se trompe, tu peux engager sa responsabilité et faire jouer son assurance. Si moi, je te dis que t'es psan et que, par exemple, ou fiscalement, il faut déclarer 100 et qu'après, il y a une erreur et que c'est 200,
Tu peux, genre, alors évidemment sous certaines conditions, et faut pas le faire parce que c'est pas gentil pour les avocats, mais ça c'est un truc important pour les avocats. On n'est pas des gens qui donnent des conseils et après démerde-toi si en fait je me suis trompé ou parce que j'étais pas compétent, j'ai dit n'importe quoi, mais j'ai pris tes honoraires et au revoir. Donc c'est pour ça que les avocats ils font quand même aussi un peu gaffe à ce qu'ils font. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une profession où tu as un niveau de confiance qui est assez élevé, tu vois. Enfin, il y a des mauvais avocats, il y a des avocats malhonnêtes, mais ça, c'est une donnée importante. Ce qui fait que pour répondre à ta question, les gros cabinets, ils ont du mal à bosser avec la crypto parce que c'est un secteur qui est risqué. Prends ton temps pour voir. Ouais, donc en fait, le coup d'entrée, c'est que, effectivement, si le gars dit une connerie, ça peut lui backfire, quoi, ça peut lui revenir dans les gencives par son client. Et en plus, quand il touche le sujet, il se dit que ça, il va y avoir un peu de devoir à faire, quoi. Donc au final, les gros cabinets, est-ce qu'ils préféreront embaucher des gens qui sortent de chez Orwell et qui sont déjà formés, qui ont déjà du bag, ils le mettent associé ou je sais pas quoi, et puis comme ça, il prendra les coups et puis ça transfère la compétence. Tu vois un peu ce que... Oui, ça c'est une issue qui est possible et qui... Enfin, moi, c'est aussi un truc que je souhaite quelque part, tu vois. Parce que quand ça arrivera, le marché aura fait x10 et... Puis c'est que t'es la référence, quoi, tu vois. Oui, le but, c'est aussi de faire école, tu vois, quand t'es avocat. C'est que les avocats en nouvelles technologies à Paris, ils viennent tous... C'était un groupe de quelques personnes au début, ils ont fait école, tu vois. Ça a bourgeonné et en fait, tout le monde gagne. Tu te fais pas piquer le gâteau, en fait. C'est juste que tu formes des gens, après ils vont ailleurs, et genre en fait, après le marché grossit, et si tu continues à bosser, tu restes une référence, tu vois. Donc non, je pense que les gros cabinets, ils vont y venir, mais c'est juste que c'est plus lent. Quand tu es dans un cabinet avec 30 associés, il faut que les 30 soient d'accord pour que tu lances une pratique. Ils ont eux-mêmes des clients qui ne verraient pas ça d'un bon oeil. Enfin, tu vois, tu as plein de paramètres. Après, moi, je ne suis pas dans les gros cabinets, je ne sais pas comment ça se passe en détail, mais tu as plein de paramètres qui font que c'est assez lent, mais ils vont y venir, bien sûr. Comment ça marche le business des avocats où, moi je sais pas, je connais surtout la série Suits, je sais connaître. Si, bien sûr. Elle est bien ou pas? Elle est pas mal. Après, elle est américaine, donc c'est un peu différent en France, mais oui, elle est bien. Comment ça se fait que les mecs, ils veulent tous être associés? Enfin, c'est quoi cette histoire d'association? Généralement, dans une entreprise, il y a un patron ou quelques actionnaires au début, enfin quelques associés. Puis après, ils dirigent en forme de structure pyramidale un peu quand même. C'est un peu ça le truc. C'est quoi le business des... Modèle d'un cabinet avocat? Ouais, ouais. Bah, associé, c'est quelqu'un qui a une clientèle. C'est-à-dire que tu es associé, tu peux être à ton compte. Donc là, tu es à la fois associé et collaborateur, si tu veux. Et ensuite, quand tu commences à être soit à plusieurs, et surtout quand tu es à plusieurs avec des collaborateurs, les collaborateurs, ils sont là pour... Enfin, je schématise à mort, hein, mais en gros, ils sont là pour traiter les dossiers et ils sont rémunérés pour ça. Ils peuvent également avoir leur clientèle à côté personnelle. Et c'est un truc qui est très important dans la profession d'avocat, c'est qu'on est libre, on est des professions libérales. Donc, tu ne peux pas imposer à ton collaborateur de ne travailler que pour toi, c'est interdit. Et c'est assez malsain, je trouve, d'ailleurs. Et après, quand tu es associé, en fait, c'est juste que tu as une clientèle. Et pour cette raison-là, en fait, t'es dans un cabinet où tu as un certain nombre de parts et des règles de rémunération. Et après, voilà. Mais on peut te virer quand même en tant qu'associé, si j'ai bien compris. Bah, dans les gros cabinets, par exemple, qui sont les plus connus, parce que c'est ceux dont on parle le plus, oui, tu as des règles, tu fais pas ton chiffre, tu factures pas suffisamment pendant 2 ans d'affilée, tu te fais dégager, hein, tu sautes. Et tu as des seuils. Ça peut être 400 000 euros par an, 1,5 million d'euros par an, etc. Et l'intérêt, en fait, de connaître ces règles-là, c'est notamment quand tu choisis un avocat. Parce que ces règles de structure ont un effet sur la manière dont on traite les dossiers. Allez, vas-y, explique. Bah, si j'ai un objectif de facturation d'1 million d'euros par an, je vais donc travailler plutôt avec des boîtes assez friquées ou des grosses boîtes, tu vois, qui ont des besoins importants et qui sont prêts à payer cher. Si tu es une start-up et que tu bosses avec ce type de structure, il y a de fortes chances, logiques, tu vois, que la personne te surfacture, enfin, te facture cher parce qu'elle a des objectifs, tu vois. En fait, ça, c'est un point qui est important, et je le dis notamment dans mon secteur, qui est un secteur très jeune, où beaucoup de gens font appel à un avocat pour la fin de leur vie, c'est il faut choisir un avocat qui soit dans la bonne structure par rapport à tes besoins. T'es une boîte internationale, il faut travailler avec un cabinet international. T'es une banque qui a besoin de, en un claquement de doigts, pouvoir mobiliser 30 avocats. Tu vois, c'est pas quelque chose que tous les cabinets peuvent faire. Hein. Moi, quand j'ai travaillé avec des banques, hein, ils peuvent me broyer, tu vois. C'est-à-dire que s'ils me disent, on a besoin de 1000 heures de facturables cette semaine, tu vois, j'ai pas les compétences et je me fais déchirer, tu vois. Et comment ça, déchirer? Bah non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des besoins, si tu veux, en termes de main-d'œuvre que je ne peux pas leur fournir. Donc, je compense en arrêtant de dormir, mais normalement, je crame, tu vois.
Et à l'inverse, quand tu es une start-up, tu vois, enfin, quand tu es une grosse boîte, tu bosses pas avec un petit cabinet. Et ça, c'est un truc important de comprendre que c'est un marché, le droit. Il y a des strates. Tu fais pas bosser Bouygues Construction pour rénover ta cabane de jardin, tu vois. Et à l'inverse, tu veux construire une tour à la Défense, tu fais pas appel à un petit architecte de moulin, tu vois, qui n'est pas adapté à la situation, quoi. D'accord. Donc, du coup, y a ce genre de classification chez les avocats. Et vous, toi, tu te situes où avec Orwell Ben nous, on est un petit cabinet dans le sens où on est une dizaine, enfin tu vois, on est une dizaine, mais on peut travailler avec des boîtes, en fait. On ne peut pas travailler avec des grosses boîtes. Enfin, on peut pas. On peut, mais dans ce cas-là, ça va être sur des sujets très précis où on a la ressource pour le faire. Mais nous, on travaille avec des boîtes qui, en fait, vont de 0 à 200 salariés, quoi. Parce qu'en termes de besoins juridiques, c'est des choses qu'on peut fournir. Pour l'instant, après, on grossit, on verra. Peut-être qu'un jour, on pourra travailler avec le CAC 40, qui sait. Et la prochaine série s'appellera pas Suits, mais Orwell. Ouais, beaucoup de les mecs sont un peu chelous dans cette série. Donc ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas sûr là. Et est-ce que la profession libérale d'avocat, est-ce que c'est un peu spécifique dans l'entrepreneuriat? Comme tu dis, au niveau du trouver son créneau et son produit, quelque part, c'est un choix un peu limité et c'est assez carré, ou est-ce que vraiment on peut innover dans le produit qu'on propose aux clients quand on est avocat, quoi? Est-ce qu'on peut inventer l'iPhone quand on est avocat? Tu vois un peu le délire? Quelle est la part de créativité dans l'entrepreneuriat quand on est avocat? Bah, ça dépend, c'est-à-dire que tu as plusieurs aspects, en fait. Tu as dans la manière de travailler. Et là, honnêtement, tu as des innovations. C'est un secteur qui, pour le coup, si tu es avocat, il y a un côté, quand on regarde de l'extérieur, très poussiéreux. Mais en fait, l'avantage d'avocat, c'est vu que c'est une profession libérale, c'est un énorme chaos, en fait, le milieu d'avocat. C'est-à-dire que tu as de tout, des gens qui font n'importe quoi en permanence, qui tentent des trucs, tu vois. Et tu as en même temps des gens très sérieux en costume trois pièces. Mais tu sais, tout ça cohabite dans un joyeux bordel, quoi. Et c'est un truc que j'aime bien dans ce métier. Et tu as d'ailleurs, tu as mille manières d'être avocat. Tu peux être avocat à ton compte, faire du droit étranger, et tu peux être avocat dans une grosse structure. Et en fait, c'est des gens qui sont avocats, mais ils font pas du tout le même métier, tu vois. C'est vraiment un truc. Et en fait, non, tu peux innover déjà par ton discours et le secteur dont tu interviens. Moi, je trouve que Orwell, là-dessus, on est une des modestes preuves que voilà, tu peux lancer un cabinet sur un nouveau secteur et faire en sorte que ça marche et que tu aies un intérêt à la fois économique, mais également intellectuel, etc. Et être aussi une voix d'un écosystème, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve important. Et tu peux aussi essayer d'innover dans la manière de travailler. Après, très honnêtement, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, un avocat, fondamentalement, c'est quelqu'un qui vend du temps. Et tu as des cabinets qui innovent, tu vois, tu as un cabinet à Paris qui s'appelle Bold. Ils ont vendu ils ont fait un truc que je trouve extrêmement innovant. Après, je ne sais pas comment ça marche en pratique. Ils ont vendu des abonnements illimités. Donc c'est, en fait, tu payes 5000 euros par an, je crois, un truc comme ça, et tu as accès à leurs avocats de manière illimitée, en droit. Ah, parce que 5000 euros, ça fait quoi? 4, ça fait 40 heures? Bah là, ça fait 30-40 heures d'avocat, quoi. Là, en tout cas, après, j'ai jamais été leur client, évidemment. Non, mais un avocat, c'est quoi? C'est 300 balles de l'heure. Ouais, à Paris, alors ça dépend, mais ça va de 250 à 350-400, on va dire, pour la norme. Après, voilà, si tu fais appel à l'expert, machin, en droit international, il n'y a pas de limite, quoi. Et tu vois, donc, ils ont lancé cette formule qui a très, très bien marché dans les startups, les startups françaises, quoi. Et voilà, et ça, c'est quelque chose de totalement novateur pour le milieu des avocats. Parce qu'il y a un paradoxe, tu vois, c'est-à-dire que si c'est vraiment illimité, comment ils font pour gérer quand tu as un type qui veut 200 heures alors qu'il a payé pour 40? Et en même temps, et je pense qu'ils compensent avec les gens qui payent l'abonnement et n'utilisent pas. Mais je serais assez curieux de voir le tableau Excel derrière, quoi. Ouais, comment ça marche à la fin de l'année? Est-ce qu'ils gagnent plus, moins? Est-ce qu'au final, ils se retrouvent? Non, mais je pense qu'ils gagnent plus, enfin, j'espère pour eux, tu vois, mais je trouve ça. Si moi, je vois un truc comme ça, je prends l'abonnement quand j'ai besoin de 200 heures. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai besoin de rien, je prends pas d'abonnement. Ouais, il y a aussi une autre question, mais encore une fois, j'ai absolument pas la réponse. C'est est-ce que finalement, il n'y a pas des perdants dans l'histoire? C'est-à-dire que genre le type qui a payé l'abonnement et qui ne fait pas appel aux heures, en fait, il a payé très cher, hein, un besoin qui lui aurait peut-être coûté 1000 euros, tu vois. Ouais. Je sais pas. Qui va aller voir un avocat quand il n'a pas de besoin, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin. Moi, j'ai trois boîtes, je suis jamais allé voir un avocat parce que j'ai jamais eu de procès au cul, donc tu vois, voilà. Oui, non, mais genre après, tu as toujours un besoin, mais le besoin, c'est est-ce que tu as un besoin à 1000 euros, à 5000 euros, ouais, à 30 000 euros, quoi. Ah ouais. Ah non, en tout cas, ouais. Il y en a qui tentent des trucs, quoi. Il y en a qui tentent grave des trucs. Il y a des gens qui sont uniquement en forfait parce qu'ils sont dans des prestations qui le permettent. T'as des gens qui sont que au temps passé.
Enfin, en fait, t'as pas vraiment de règles, tu vois. Et ça dépend aussi de ton positionnement, tu vois. Nous, on a un positionnement plutôt premium, donc on a, en fait, on n'est pas, on a une liberté sur nos honoraires qui est assez forte. Dans le sens, on détermine un peu notre modèle de facturation comme en fonction voilà, de là où on en est dans la structuration, des besoins de nos clients, etc. Ça se fait évidemment en bonne intelligence et dans l'intérêt du client, mais on ne va pas se mettre des contraintes, par exemple, dire voilà, telle prestation, on va la forfaitiser, même si on. Tu vois, parfois, nous, on a une forme de liberté contre nos positionnements, ce qui n'est pas forcément le cas de certains avocats qui sont sur des pratiques ultra répétitives, qui font de la masse, tu vois. Bah, les avocats qui font de la masse, eux, ils ont intérêt à avoir un prix faible, tu sais, jouer sur l'échelle et forfaitiser tout, tu Et il faut avoir à peu vois. près combien de chiffres d'affaires ou c'est un budget de combien quand tu as besoin d'un avocat dans la crypto pour les gens qui ont des boîtes? Tu dis avec 500 balles, tu te dis c'est pas la peine d'y aller. Non, mais Avec 100 000, tu te non, dis ça va faire mais en fait, beaucoup. il n'y Enfin, a tu pas, vois. y a pas de réponse. C'est à nous, tu vois, moi, je fais des prestats parfois, enfin, où je fais faire, enfin, parfois, on a des prestats qui sont à quelques centaines d'euros, tu vois. Tu prends une consultation en droit fiscal, alors les tarifs vont peut-être évoluer, mais aujourd'hui tu prends une consultation orale en droit fiscal, tu es aux alentours de 400 euros, d'une heure en droit fiscal crypto. Donc tu vois, c'est une des prestations, je pense, one shot les moins chères qu'on puisse faire. Après, il n'y a pas de limite, tu as des gens qui ont des besoins de Lego à 100 000 euros par an, tu vois, parce qu'ils sont sur des trucs super complexes et ça demande énormément de temps et ça mobilise des ressources, tu vois. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête dans la crypto en tout cas, c'est qu'on est dans un secteur qui est compliqué juridiquement, parce qu'il y a un environnement qui est quand même complexe et qui est très évolutif. On est sur des compétences qui sont rares, donc oui, c'est cher. Enfin, c'est plus cher que si tu veux lancer une boîte dans l'immobilier ou si tu veux lancer un restaurant, quoi. C'est pas les, je pense que c'est pas les. Après, nous, chez Orwell, on fait, je pense, assez attention, et c'est, je pense, une réputation qu'on a aussi, parce que on est un cabinet quand même très start-up, on est un cabinet plutôt jeune et tout, et je pense qu'on a, dans ce monde des avocats crypto, on essaie d'avoir une. On a un taux horaire et des honoraires qui, je pense, sont pas délirants. Pour une raison très simple, c'est qu'on pense que ça va durer 40 ans. Moi, je suis convaincu que la crypto, c'est un truc qui va rester. Je le suis convaincu en fait, 2 ans avant la création du cabinet. Et donc, si tu veux, quand tu es dans un truc très long terme, bah, tu es moins nerveux sur les honoraires, quoi. Tu vois, je suis pas là pour faire un billet, quoi. Dans ma tête, c'est la crypto, ça va durer éternellement, enfin, tu vois, très longtemps, quoi. Peut-être pas, je me trompe peut-être, mais je ferai autre chose, c'est pas grave. Mais donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte. Alors que je pense que tu as peut-être aussi des boîtes, d'ailleurs, dans la crypto, et pas que des avocats, mais tu sais, qui, eux, voient ça comme un. Tu vois, ils voient les NFT comme une poule aux œufs d'or qui va se refermer, tu vois. C'est peut-être pas faux d'ailleurs pour les NFT, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Comment tu fais pour arriver à juger de comment tu peux t'entourer en tant qu'entrepreneur? Comment tu peux t'associer? La question de la confiance en fait. Comment est-ce que tu t'entoures avec des gens en qui tu te dis je peux avoir confiance? C'est quoi tes critères, ta recette, tes petits trucs de. J'ai pas de recette. Déjà, travailler ensemble, c'est quelque chose, je pense, qui. En fait, avec un peu de temps, sans être pressé, si tu veux, avec un peu de temps, les masques tombent. Quand y a masque, évidemment. Quand il n'y a pas masque, tu peux constater qu'il n'y a pas de masque. Et non, je pense que c'est un point qui est important. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est entouré, en fait, chez Orwell. Je parle entre nous déjà et aussi avec les gens avec qui on travaille. Tu vois, les cabinets d'expertise comptable avec qui on travaille, les gens dans les boîtes de com avec qui on travaille, etc. Ça s'est fait assez naturellement, tu vois. Et beaucoup par bouche à oreille aussi, évidemment, tu vois. On peut s'associer et travailler avec ses amis, toi c'est des choses que tu as fait. C'est des choses que j'ai fait. Alors, c'est oui, il y en a. J'ai un associé qui est un ami de longue date, l'autre que j'ai rencontré à l'école d'avocat. Oui, je pense que c'est possible. Faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est le professionnel parfois prend un peu le pas sur l'amitié en fonction des situations, mais bon, en tout cas, après c'est des choses qui peuvent se gérer, bien sûr. C'est quoi ton quand t'as un pro, quand tu montes un cabinet d'avocat, quel est ton objectif tu vois, Elon Musk, c'est d'aller sur Mars. Est-ce que un cabinet d'avocat, c'est de dire c'est quoi? C'est un nombre d'associés de salariés? C'est de dire bah non, bah, je vends des heures et puis je montrerai mon tarif horaire. C'est quoi le rêve de l'entrepreneur quand tu as un cabinet d'avocat? C'est une bonne question. On me le pose souvent parce que je travaille avec des entrepreneurs crypto qui, eux, ont des rêves. Enfin, des rêves. Si tu veux, eux, ils ont un chemin qui est plus clair, je pense, tu vois.
Ils ont envie de transformer le monde, de faire péter je sais pas quoi. Voilà, puis tu vois, même quand tu montes une boîte, une application, tu te dis, voilà, le millionième user, tu vois, c'est un cap, quoi, tu vois. Avec avocat, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, il y a beaucoup d'avocats qui ne veulent pas faire ça. C'est pas un objectif de vie pour plein d'avocats. Ouais, c'est un métier de conseil que tu peux faire pendant 5 ans ou 10 ans, et après, tu fais autre chose. D'accord. Moi, tu vois, j'ai pas du tout la conviction que je serai encore avocat dans 10 ans. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire que j'ai jamais rêvé d'être avocat, et c'est pas le métier de mes rêves. J'exerce un très beau métier, et je le fais dans des conditions qui sont idéales, parce que ça me plaît, je suis sur un marché qui me plaît, avec des gens comme toi que j'aime bien. Mais, et parce que tu crées aussi une équipe, et c'est un truc qui est très, très enrichissant, tu vois, en fait, et très satisfaisant. Après, c'est pas. Moi, j'ai pas. Tu vois, je peux absolument pas te mettre ma main à couper qu'à 50 ans, je suis encore avocat, quoi. Et après, non, quand t'es avocat, si tu veux. Le truc, c'est que tu construis quelque chose qui est uniquement en fait de la réputation et du savoir-faire. Mais tu vois, tu peux pas créer une boîte qui va devenir leader sur le marché. Avocat, c'est un métier où les gens viennent chez toi, sont formés, partent, tu te fais copier. C'est du conseil. Donc tu vois, tu peux créer un très beau cabinet en fait. C'est un peu, je pense, l'objectif, c'est un cabinet qui soit très réputé sur une pratique, et c'est un cabinet qui soit reconnu, et un cabinet qui fasse des beaux dossiers. Dans les dossiers, tu as quand même une part de choix de l'avocat, tu vois. C'est-à-dire te mettre sur des contentieux crypto importants, soutenir des causes qui te sont chères, c'est des choses qui sont importantes pour un avocat. Ouais, c'est possible ça d'arriver à défendre sa cause quelque part en étant avocat. On a toujours l'image en fait de l'avocat, il défend un camp comme l'autre et puis bon, voilà, c'est tout le monde a le droit d'être défendu, donc. Ce que je dis de façon très caricaturale et un peu méchante, c'est en gros, est-ce qu'on peut vouloir passer des valeurs et défendre des causes et en étant avocat, ou alors c'est quelque chose de secondaire parce que le conseil passe avant le. Ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui font ce métier pour l'argent évidemment, et c'est leur droit si tu veux. Et dans ce cas-là, oui, tu es un mercenaire et tu vas d'un camp, enfin, tu vas pas d'un camp à l'autre parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Quand tu défends les banques, tu vas pas bosser en crypto juste après quoi. Ouais, enfin, parce ouais, qu'en fait, t'es conflicté, en plus, t'as bossé avec des gens que tu vas attaquer après, etc. Tu passes pas facilement d'un camp à l'autre parce que t'as des règles de prévention des conflits d'intérêts et t'as une réputation dans un camp qui te sert à rien dans l'autre, tu vois. Donc, il y a un moment, t'es obligé un peu de choisir ton camp. Quand t'es dans un secteur où il y a des camps, ce qui est pas le cas de tous les secteurs. Non, après, évidemment, moi, je vois le métier d'avocat d'affaires, parce que je suis avocat d'affaires, comme un métier où, déjà, tu peux avoir une cause, évidemment. Tu vois, nous, on est très impliqués dans la crypto, ce genre de choses. Tu as des combats dans la crypto qui sont importants. Alors, c'est des combats un peu industriels, entre guillemets, tu vois, mais c'est quand même des choses importantes et c'est des choses qu'on partage avec nos clients et ça rend ce métier intéressant. Enfin, tu vois, on n'est pas là que pour facturer. Et l'autre chose, c'est qu'en plus, au-delà de ça, tu peux, surtout, je pense, quand tu es avocat d'affaires, c'est que tu as une rentabilité qui te permet de consacrer du temps à des causes qui sont non rentables. Tu vois, genre, alors moi, c'est pas le cas chez Orwell, mais tu vois, si tu veux défendre, je sais pas, genre, des migrants, par exemple, c'est un secteur qui, je pense, est peu rentable globalement, tu vois. Le fait d'être avocat d'affaires, ça peut te permettre de le faire en pro. Les avocats appellent ça le pro bono, c'est-à-dire le charity, quoi, l'humanitaire. Pour la cause, quoi. Ouais. Voilà, et ça te permet de prendre des dossiers, d'aider des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat. Et c'est vrai que tous les cabinets d'avocats font du pro bono à minima, histoire de dire, voilà, on donne, quoi, tu vois. Enfin, il y a un côté comme ça pour l'image ou. Je pense pas que c'est pour l'image. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont envie d'aider leur prochain, quoi. Et nous, c'est quelque chose qu'on réfléchit à comment le mettre en place de manière structurelle chez Orwell. Parce que jusqu'à maintenant, on le faisait, mais de manière un peu informelle. Mais aujourd'hui, on veut le faire. Et on veut le faire parce qu'en fait, on a envie de le faire, déjà. Et parce qu'on pense que ça fait aussi plaisir aux gens qui travaillent avec nous. Quand tu as des gens qui travaillent pour toi, il faut aussi leur offrir un cadre de travail qui leur fasse plaisir. Et on le fait aussi parce qu'on pense que même vis-à-vis de nos clients et même intellectuellement, si tu veux, c'est un truc qui a du sens, quoi. Et c'est un peu, moi, c'est une mentalité anglo-saxonne que j'aime bien. On est quand même des privilégiés. Enfin, tu vois, moi, je suis pas là par hasard et je mérite ce qui m'arrive. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis dans un cabinet qui marche bien. On est sur un secteur qui marche bien. Bah, faut rendre un peu aussi la monnaie, quoi. Et ça, les Américains, ils le font très bien. Et je trouve qu'en France, parfois, on a tendance, dans la crypto comme ailleurs, tu vois, d'avoir un côté, non, mais je paye des impôts, ça va. Ce qui est pas faux. On paye un niveau d'impôt qui est. Surtout en France. Non, mais voilà, surtout en France. Moi, je paye, tu vois, quand j'envoie une facture, il y a 60% qui disparaissent, hein. Tu vois, entre la TVA, je prends 40% de charge, après je suis à l'IR, etc. Bon, tu vois, je. Bah, le libéral, en fait, il a cette caractéristique admirable et fabuleuse pour l'État qu'il ne se délocalise pas.
Oui, mais plein de gens se délocalisent pas aussi parce qu'ils sont contents de vivre là où ils vivent, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le pro bono et le bénévolat et faire des dons, c'est un truc que moi, auquel je crois beaucoup, et je le dis pas pour faire du, je sais pas quoi, du greenwashing, enfin pas du greenwashing, mais pour par orgueil ou Du par pro bono washing. ouais, du pro bono washing. C'est juste que c'est quelque chose qui est fait qui est satisfaisant dans la vie. Et ça, c'est sur la partie activité, tu vois, faire du mécénat de compétences, etc. Et sur la partie fiscale, enfin, don en crypto ou don en euros, il ne faut aussi pas oublier que tu es quand même défiscalisé. Donc, c'est une manière d'affecter ton impôt. Alors que moi, au lieu de faire un chèque de, je sais pas, 1 000 euros à l'État à la fin de l'année, je vais faire un chèque de 1 000 euros à la Croix-Rouge. Ça va me coûter à 25% de la somme et j'aurais dit, voilà, moi, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est la Croix-Rouge. Et donc, voilà, je veux que mon impôt aille là-bas. Parce qu'en Oui, fait, mais quand tu c'est. donnes des heures, c'est pas déduit de tes revenus imposables. Sauf que tu gagnes pas d'argent pendant que tu le fais. Mais Ça peut l'être, mais c'est une usine à gaz. Non, mais le donner des heures, c'est pour le coup, c'est donner, tu vois. Et il y a des gens dans la crypto qui ont besoin qu'on leur donne des heures d'avocat. Enfin, le stéréotype, en fait, c'est que voilà, dans la crypto, t'es blindé et s'il y a bien un endroit où il n'y a pas de réfugiés à défendre de migrants, c'est bien la crypto, quoi, tu vois. Non, mais alors déjà, t'es pas obligé de le donner à la crypto. Et en plus, dans la crypto, t'as quand même deux types de projets qui ont besoin de ça. T'as des projets, comment dire, humanitaires. Enfin, tu vois, t'as des projets crypto, par exemple, non-profit. Alors, encore une fois, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Mais pour ceux qui existent en Europe, tu vois, on peut bosser gratuitement pour eux, pour les aider à se structurer. En fait, on leur fournit des services juridiques gratuits pour les aider, quoi. Et tu as aussi des victimes d'escroqueries, des victimes de hacks qui parfois sont des gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont, tu vois, qui sont fragiles, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait. Après, je te cache pas qu'on n'est pas dans un secteur où il y a des besoins énormes parce que. Ah, c'est pas les femmes battues, quoi, tu vois, Non, je suis d'accord. c'est. Ouais. Après, tu peux aussi, tu vois, genre, tu peux aussi aider bah, des femmes battues si tu as envie. Et voilà, les 4 jours et demi de taf que tu fais en crypto où tu es rentable, ça te permet d'avoir une demi-journée que tu consacres à des femmes battues. Et il n'y a pas un intérêt quelque part à rester dans le même secteur pour arriver à voir toutes les facettes C'est du plus truc, logique. quoi. Ouais. Nous, on le fait, hein. On est contacté par des gens qui se font voler des fonds. Parfois, souvent d'ailleurs des escroqueries où il n'y a absolument pas de crypto. C'est des mamies qui, tu vois, ont voulu investir dans le Bitcoin et elles ont mis leur et elles se sont fait embobiner par les escrocs parce qu'en fait tout ça est très psychologique. Et à la fin, elles ont plus d'épargne, tu vois. Et c'est tragique, tu vois. Enfin, t'as des gens qui te disent au téléphone, je vais me suicider, quoi, tu vois. Donc là, tu as envie de les aider. Et s'ils n'ont pas 1 500 euros pour te payer la procédure, bah tu le fais, puis voilà. Ou pas, ou après tu gères, parce qu'il ne faut pas non plus. C'est sans fin, hein, mais tu peux le faire. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas forcément quoi faire en fac de droit, qui traîne un peu sa misère, mais qui le fait parce qu'il faut bien faire quelque chose, et qui a une passion, alors que ce soit la crypto ou autre, mais tu vois, qui dit de curieux, qu'est-ce que tu dirais à un William en 2002, quoi, tu vois? Moi, je m'adresserai pas la parole, mais non, non, mais je rigole. Je suis pas complètement dingue. Non, mais je pense que moi, j'ai pas de conseils honnêtement très précis à donner, mais moi, les deux conseils qu'on m'a donnés qui m'ont pas mal aidé, enfin, qui, avec le recul en tout cas, m'ont paru très pertinents, c'est deux fois le même conseil en fait. C'est une personne, alors j'ai plus les noms, et puis de toute façon, ça intéresse personne d'avoir les noms, mais c'était une personne qui m'avait dit, il bossait dans une boîte, je sais plus, un truc classique quoi. Et à côté de ça, il avait une entreprise de, je sais plus, de peinture ou un truc, une entreprise à part. Et il m'avait dit, en fait, c'est extrêmement important d'avoir deux activités, tu vois. Une activité principale et une activité un peu accessoire. Parce qu'il dit, en fait, quand ça va mal dans ton activité accessoire, tu peux faire la bascule avec ton activité. Quand ça va mal dans ton activité principale, tu fais la bascule avec ton activité accessoire. Et quand tu as besoin de mettre un coup de bourre sur l'activité principale, tu gères ça avec l'activité accessoire. Donc évidemment, ça demande un tempérament de bosseur, mais en fait, beaucoup de gens le sont quand ils trouvent du sens dans leur métier, tu vois. Ça, c'était mon premier point, tu vois. Alors évidemment, ça ne se pose pas quand tu es avocat, parce que quand tu es avocat, c'est naturel chez l'avocat d'avoir Plusieurs affaires. tes clients, machin, etc. Mais je pense notamment à des gens sont juristes et d'essayer de s'impliquer dans des choses à côté de ton boulot pour avoir plus, tu vois, ne pas danser sur un seul pied. Et l'autre conseil qu'on m'a donné qui rejoint ce conseil-là, c'est on m'a dit en fait, pour trouver ton boulot ou ta voie, alors ça, j'ai conscience que ce conseil ne s'applique pas à tout le monde, mais moi on m'avait dit en fait, fais ce que tu ferais si tu n'avais pas de boulot, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, genre, enfin, tu vois, genre, si demain tu devais arrêter de bosser, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Et moi en fait, je bosserais dans la crypto quand même, tu vois.
Enfin, je serais en train de zoner dans des events crypto. Donc, ce que je faisais à l'époque, tu vois, genre j'étais sur Kraken, enfin, tu vois, je regardais, j'étais sur Bitcoin.fr et tout. Donc, en fait, alors c'est un conseil qui s'applique pas à tout le monde, parce que je pense, je sais pas, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas de passion, ou tu vois, qui sont pas. Mais en tout cas, pour les gens qui ont. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir le nombre de gens qui sont genre avocats, ou qui sont juristes, ou qui travaillent dans des boîtes. Et en fait, les types ont une vie parallèle. En fait, tu as envie de leur dire. Alors, déjà, fais ce que tu veux, hein. Moi, je suis personne pour te donner des conseils, mais. Et pourquoi tu chercherais pas enfin, quand t'es passionné dans un truc, en fait, le boulot, tu le crées, quoi. Enfin, tu le crées ou tu le trouves, mais genre, il vient quand même, je pense, assez vite, quoi. Parce qu'en fait, tu surcompenses le manque d'expérience par la compétence, parce qu'en fait, t'es tu geeks à mort le sujet, quoi. T'es à fond dedans. Oui, quoi. En fait, tu deviens une forme d'expert où tu finis par comprendre des trucs que les gens comprennent pas, et tu finis par avoir une utilité, cette utilité a une valeur, et là, on est dans la. Enfin, ça roule, tu vois. Il y a ça, et après il y a évidemment un conseil, mais qui est un conseil bateau, j'ai honte de le dire tellement il est évident, c'est que je pense qu'il faut, voilà, faut pas avoir trop peur de prendre des risques. Enfin, il faut être lucide sur les risques qu'on prend, et en fait, quand tu es lucide sur les risques que tu prends, ils sont faibles. Enfin, tu vois, moi j'ai monté un cab juste après le barreau. En fait, avec le recul, il y avait un côté prise de risque. À l'époque, moi, mes parents, ils me disaient « William, arrête, qu'est-ce que tu… » Enfin, on n'a pas fait ça tout ça pour ça, tu vois. Vraiment, tu vois, ils étaient en mode c'est lamentable, quoi, tu vois, genre. Finir en tête à queue alors que t'as même pas commencé à être avocat, c'est lamentable et tout. Mais en fait, avec le recul, le risque, c'était quoi, tu vois? C'était qu'en fait, tu me serais planté, bah, tu vois, j'aurais pris mon petit CV, je serais allé dans un autre cabinet ou dans un autre truc, et en fait, au bout d'un an, ça aurait été oublié, quoi. En vrai, tu vois, le risque réel, il était faible. Donc, il y a ça. Et le risque, il est beaucoup plus facile à prendre à 25 ans qu'à 30, beaucoup plus facile à 30 qu'à 40. Enfin, plus t'augmentes, plus je pense que plus tu vieillis, plus t'as des choses à perdre, tiens. Eh ben merci beaucoup. C'est un plaisir, William. Et puis bah à bientôt. Je pense que on va. Voilà. Ouais, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage. Ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !